Tu veux acheter FIFA 19 moins cher mais tu sais pas comment faire? Je te conseille d'aller sur Prestart et d'acheter des cartes Xbox ou PSN moins cher. Et comme ça tu pourras avoir l'édition champion ou ultimate le moins cher possible. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo FIFA 19. Et celle-là, je pense qu'elle va vraiment beaucoup vous aider, en tout cas à gagner beaucoup de crédits. Tout simplement, on se retrouve pour les solutions DSBC. On va commencer aujourd'hui par la solution pays, c'est la moins chère. C'est celle qui va te rapporter vraiment un maximum de crédits. Et même sur Futbin et tout, par rapport à la solution que je vais vous proposer, vous gagnez à peu près 5000 crédits de moins. Oui, c'est toujours très intéressant, sachant que des fois, c'est un peu dur de choisir sur Futbin les bons SBC. Parce que souvent, y a 50 000 loyautés que tu n'avais pas vues, 50 000 changements de poste, des trucs bizarres, tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Donc là, moi c'est sûr, ça fonctionne comme chaque année. L'année dernière ça avait très bien marché, j'espère que ça va continuer à vous aider. On est parti directement pour le hybride pays. Si t'as envie que je fasse les autres, n'hésite pas à laisser un gros like, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'aimes pas les likes, comme d'habitude je le répète, laisse-moi un commentaire en me disant que t'as envie qu'on continue comme ça, parce que là c'est l'hybride pays qu'on fait. Mais tu remarques qu'il y a le hybride league pays et le hybride league. Ils sont un tout petit peu plus chers, mais vraiment le hybride pays, tu vas te régaler. Je te le dis, parce que quand tu vois qu'il y a un pack méga rare à gagner, un autre à l'intérieur avec la fierté nationale, et là celui-là c'est un pack joueur prime et un pack joueur pour 25 000 crédits. 25 000 crédits, oui j'ai bien dit 25 000 crédits. 25 000 crédits, oui j'ai bien dit 25 000 crédits. Avec ça, mais pas bien vu les packs qu'il y a, t'es quasiment sûr d'être gagnant. Alors j'ai pas fait le calcul exactement, mais à mon avis t'es sûr d'être gagnant si tu fais les mêmes solutions et que tu packs un minimum. Et même franchement, même en packant pas un minimum, en étant le plus gros poissard du monde, je pense que ça doit passer. On est parti, le premier c'est tout simplement assez simple à réaliser. Alors il y a des joueurs bronze, je vous conseille de pas forcément prendre les mêmes que moi, mais vous prenez tout simplement la même nationalité en bronze, voilà, et comme ça ça va passer parfaitement. Vous voyez que le collectif est bon et qu'ils ont pas forcément besoin, là il y a juste besoin d'un joueur français de Ligue 1 bronze ou argent, tu t'en bats les couilles, essaye de le payer le moins cher possible sans ce qu'il soit rare. Et là les deux, j'ai mis des joueurs argentins et tu vois là j'ai mis des pays, des trucs qui étaient même pas ensemble. Donc là il suffit, par exemple tu peux mettre 3 belges si tu veux, tu peux mettre pas des français parce qu'il y en a déjà, mais 3 espagnols. Faut juste qu'il y en ait 3 rares. Voilà, il faut que tu aies 3 rares. Moi j'ai mis 2 bronzes et un or. Dans les buts, donc j'ai mis Pelé, Kerbrat, Saliba, De Marco, Honda, Westwood, Chalvet, Centurion, Stevens, Kobayashi et Barrero. J'en ai pour 4250 crédits normalement. C'est vraiment pas cher. On va soumettre directement pour ne pas oublier de soumettre, sinon c'est toujours la merde. Voilà. On soumet la première équipe, parfait. Le second, ben là c'est un tout petit peu plus compliqué, même pas un petit peu plus compliqué, c'est quasiment la plus compliquée avec la dernière. Là ce qu'il faut c'est des nationalités, il en faut 6 exactement. Et donc là ce que je te conseille, là par exemple pour les joueurs argent, pour les deux joueurs américains, tu t'en bats les couilles que ça soit ces deux-là. Parce que je pense que même si tu prends 2 américains de MLS, ça doit fonctionner. Là j'ai un lien très fort parce qu'ils sont tous les deux, je sais plus ce que c'est le truc, c'est Vancouver je crois ou un truc comme ça. Bon au pire c'est pas très grave, vérifie au pire, mais voilà, si tu veux faire comme moi. Mais n'hésite pas hein, parce que là j'ai pris 2 joueurs de MLS. Mais si c'est 2 joueurs, je sais pas, 2 joueurs hollandais par exemple, voilà, ça peut marcher parfaitement. N'hésite pas, argent hein, parce que bon par rapport à la note générale, tu vois on est déjà à 75 et il y a besoin que de 70. Tu peux même faire moins cher que moi. J'ai mis un maximum de joueurs or pour pas que vous ayez de problème derrière à trouver les joueurs. Moi dans les buts, donc j'ai mis Gartner, Franklin, Mand, Guano, Verboom, Ambarba, Noble, Davis, Bongonda et De Thomas, et pardon il en manque un, et il y a Niassé. Alors je sais pas si c'est Niassé ou Niassé, je sais jamais. On va soumettre, et là c'est un pack premium hein, c'est le moins bon, là c'est qu'un pack à 7500 et c'est quasiment la plus chiante. Mais c'est normal parce qu'elle ne coûte, là l'équipe que j'ai fait, 3850 crédits. Oui c'est rien, non là c'est rien, faut le dire, c'est rien. Donc on va ouvrir, voilà très bien, on fait celui-là. Il en faut 8, alors ça c'est le plus simple. Alors là franchement, celui-là j'ai mis 2 secondes à peu près à le faire, bon, un peu plus parce qu'il a fallu essayer de trouver les joueurs les moins chers. Et j'ai choisi de faire une Ligue 1 parce que là il fallait quand même 8 nationalités. Je vous conseille soit Première Ligue, soit Ligue 1, mais Ligue 1 ça coûte quand même beaucoup moins cher. En tout cas des championnats où il y a beaucoup de nationalités différentes, Ligue 1 et Première Ligue sont connus pour ça. En Calcio, il y a quand même beaucoup de joueurs italiens, en Bundesliga il y a quand même beaucoup de joueurs allemands, même si c'est de moins en moins le cas. C'est un peu compliqué, donc vraiment les deux championnats à privilégier sont quand même évidemment la Ligue 1 et la Première Ligue. Moi dans les buts j'ai mis Tatarunasu, je sais jamais comment ça se prononce, Gilbert, Erel, Glick, Traoré, Mbia,
Lucas Evangelista, ça me fait penser, c'est une chanteuse, hein. Thiago Mendes, Camano, Cornelius et Choupo-Moting. À chaque fois, j'ai acheté tous les joueurs, hein, j'en avais dans mon club, je les ai tous achetés pour bien vous montrer que le collectif fonctionnait et qu'il n'y aurait pas de problème comme ça pour vous également. On va soumettre, hein, c'est un pack joueur prime, là, pack à 45 000. Ah oui, là on a monté en gamme, pack à 45 000, ça commence vraiment à être très intéressant. Et le dernier, c'est Fierté Nationale. Alors là, la Fierté Nationale... Il est chiant. Alors j'ai le collectif, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Tout simplement déjà j'ai mis au bon poste, que ce soit Jean-Matt ou Ben Davis. Je les ai mis au bon poste, hein, je les ai mis en DLG et en DLD. Ça c'est très important. Sinon ben, vous n'aurez pas le collectif. Et de plus, si vous n'avez pas de joueur avec un minimum, soit le truc entraîneur, soit d'avoir fait les 10 matchs. Moi c'est le cas, hein, de Lufeu, je l'ai packé en non vendable. Donc lui, il me permet d'avoir 100, sinon vous allez avoir 99. Je vous mets une équipe au moment où je suis en train de parler, où vous n'avez besoin de faire rien, ni du collectif, ni rien. Vous avez forcément les 100 avec cette équipe, en mettant bien les bons postes, hein, faites attention. Je crois qu'il y a Doucouré dedans, il faut bien le mettre MC, et évidemment les deux DGDD en DLG et en DLD, et vous aurez 100 collectifs. Et là, vous n'avez besoin de rien faire, alors que vous n'en trouvez aucune sur Futbin. C'est possible de le faire, mais évidemment, ça coûte plus cher, ça doit coûter à peu près 3-4 000 crédits de plus. Donc c'est un tout petit peu chiant. Moi je vous conseille plutôt celle-là et vous allez bien trouver un joueur dans votre club. En général j'ai fait exprès Première Ligue parce qu'on aurait pu faire avec la Ligue 1 etc. Parce que je sais que la plupart des gens ont déjà des joueurs de Première Ligue dans leur club qu'ils ont conservé. Et donc c'est quand même beaucoup plus facile pour vous à faire. L'équipe est la suivante et même si vous avez envie de faire le collectif, hein, je vous rappelle que pour avoir le collectif il faut faire 10 matchs avec les joueurs. Et si vous faites le collectif tout simplement des joueurs, je pense qu'il y a encore moyen de faire encore moins cher. Moi je dois être à peu près aux 10 000 crédits et je pense qu'il y a moyen de descendre à 8-9 000 mais rarement au-dessous parce que tout simplement il faut quand même beaucoup de joueurs or et rares et en plus il faut quand même une note de 80 sinon vous allez avoir du mal à réaliser. Dans les buts, moi j'ai mis Petrosech, Jean-Matt, donc Mina, Sako et Lovren, Davis, Cork, Meyer, Delufeu que j'ai pas placé en AD mais ça suffit largement, Diné et Rota, en sachant qu'il a quand même malgré qu'il soit en AD, voilà, ça passe parce que voilà, il n'y a pas besoin de changer de poste. Et je vous conseille, si vous voulez faire la même équipe que moi, de mettre plutôt Pedro, parce que Pedro coûte moins cher que notre ami Delufeu. Il coûte à peu près, allez, 300-400 crédits de moins, voire des fois un peu plus. Donc je vous conseille plutôt Pedro si vous voulez faire exactement la même équipe que moi, que de Lufeu. Mais en général, vous allez trouver des joueurs dans votre club qui vont vous permettre de le finir et de bien avoir 100% de collectif. Si vous n'y arrivez pas, vous me contactez sur Twitter, je vous aiderai évidemment comme d'habitude. Donc là, on va soumettre. Donc voilà, là on a fini. On va voir ce qu'on va avoir avec ça. Là, on récupère encore un pack méga. Là, on a récupéré quand même du très gros pack. Là, c'est vraiment du très gros pack. On va ouvrir ça. On va voir que si on a la chance ou pas. Et si on se rembourse. C'est important de voir si au moins on se rembourse. Bon, voilà les 5 packs qu'on a. On a quand même un pack méga rare. Je sais pas quoi. Ça, c'est un pack à 55 000. Donc 35 000, ça fait 90 000. 90 000, 135 000. 135 000, 160 000. Pour 25 000 crédits, t'as 167 000. 500 crédits de pack. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, allez, on commence par le pack premium or. Là, je te le dis, rien du tout, on s'attend. Mais bon, c'est dans les autres. Dans les autres, j'espère qu'on aura un peu plus de chance. Bon, là, c'est un joueur or non rare. On a Darida. Voilà. C'est pas fou, mais on va faire juste un peu le calcul comme ça des joueurs. Hein. Même si, bon, il y en a certains, par exemple, lui, je suis sûr qu'il doit valoir un peu de crédit. Je suis sûr. Ah, tu vois, je connais bien mes petits joueurs. Tu vois, je les connais bien. Un petit peu. 2200. Allez, bam. Bon, déjà, lui tout seul, il est pas mal. Ah, ça y est, on monte d'un cran. Là, il y a quand même 3 joueurs en rare à l'intérieur. Donc, on espère même une animation. Hein. Si c'était possible, moi, je suis preneur. Et boost, en plus. Et boost, bien sûr. Oh, Saka. Oui. Bon, ça, c'est mon meilleur boost. Oui. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir, le petit Saka. Boum. Ah, là, nickel. Nickel, là, je suis content. Je suis heureux. Et derrière, tu m'en mets un deuxième, un bon joueur, et on est bien. On est tranquille comme ça. Ah non, derrière, c'est moins bien. Combien coûtes-tu? Ouais, il est à 18 000, il va remonter au moins à 25 000, je pense. Ouais, très bien, très bien. Moi, je dis rien, je suis content. Je suis très content. Voilà. Merci. Merci. Animation encore. Bon, c'est du boost cette fois-ci. Belge, DC, prends ton temps. Non, mais ça va être quand même compagnie. Compagnie 85. Eh, franchement,
On se met très bien avec ces packs. On se met très bien avec ces packs. Ce compagnie aussi. Bon, c'est pas non plus le compagnie d'avant. Mais le compagnie, il vaut un peu des crédits. T'as Kepa qui vaut un peu. Sissoko qui vaut aussi. Non, mais on est bien. Franchement, on est bien. Je sais pas combien tu gagnes avec ce. Ouais, c'est là, il y en a encore pour 10 000 crédits au moins. Meilleur, c'est-à-dire que là, on est largement remboursé. Et il te reste un pack méga avec 18 éléments rares et un avec 30 éléments rares. Donc là. On est tranquille normalement, on est tranquille, encore une animation, allez une bonne animation, brésilien, gardien, ça prend pas son temps, mais c'est Alisson, c'est quasiment 20 000 crédits, boum, putain mais quelle chatte, Alisson, on tape compagnie 85, Alisson 85 et Tsaka 84 en boost, la chance est là, je te dis, tu vas te mettre bien avec ça, ok, on a quoi derrière, ouais c'est pas fou, on a Ake qui vaut un peu de crédit, on a Cyprien qui vaut un peu de crédit aussi, oh, qu'est-ce que je me mets bien avec ça! Chaque pack à chaque fois! Et on a gardé le meilleur pour la fin, avec Actimel. Et là, c'est là où j'ai pas d'animation. Là, je t'en voudrais, Actimel. Si dans le meilleur pack, j'ai pas d'animation, je t'en veux. Je te préviens quand même d'avance. Tu vois? C'est pas possible. Bon, ces séries, ça vaut beaucoup de crédit. Ça va, t'as de la chance. Mais c'est quand même dans le meilleur pack que j'ai pas d'animation. Tu comprends pas, des fois. Mais bon, série, je sais plus combien c'est, mais c'est assez cher. Hein. Ok, oh, il y a Roussillon aussi, ouais, franchement, c'est bon. On est bien. La série, c'est très cher, ouais. C'est 7-8 000. Bon, je sais pas combien on a gagné exactement, mais on a gagné largement de quoi rembourser le pack et bien plus encore. Je pense que pour 25 000 crédits, on en a gagné entre 60 000 et 100 000. On est bien, je te le dis, on est bien. J'espère que tu auras autant de chance que moi dans tes packs. N'hésite pas à me les partager sur Twitter, à mettre ça dans les commentaires. C'était Robert 87 000. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Ciao, les gars.